je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Comme je vous avais promis, je vous ai fait donc une vidéo tuto sur la semi-suite. Voilà, donc je vais pas vous en parler pendant 10 ans, c'est une super palette, ça sent bon, ça tient, pas de démangeaison, elle est trop mignonne, regardez-moi ça comme t'es jolie. Voilà, enfin vraiment quelque chose assez sympa. Donc là j'ai voulu vous faire un tuto dans les, un petit peu dans les corails. Alors j'ai pas voulu mettre... trop de corail partout au niveau du blush, enfin bref, je vous laisserai donc avec les explications. Voilà les filles, je vous laisse de suite avec le tuto, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Voilà la star de cette vidéo, la Sweet Peach de Too Faced. Donc je vous la montre en plus gros plan les filles pour vous montrer vraiment les couleurs qui sont absolument sublimes dans cette palette. Donc j'ai déjà préalablement posé donc ma première prochaine Urban Decay pour faire tenir les fards beaucoup plus longtemps et leur donner un petit peu plus d'intensité. Et j'ai également aussi mis un chouchou, c'est le l'anti-cendre de chez Sephora. Alors oui, je fais ma maligne avec ma palette parce que je suis hyper contente de l'avoir. Elle sent super bon, c'est une véritable tuerie. Vraiment les filles, je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Alors je vais donc prendre maintenant un 228 de chez Zoeva qui est un pinceau un peu fluffy. Et je vais prendre la couleur Just Peachy qui est une espèce de corail avec des sous-tons dorés qui est absolument sublime. Je l'adore. Donc là, je n'hésite pas à venir dans mon coin externe. Je dessine mon petit V et je remonte donc sur mon creux de paupière pour donner quelque chose d'assez élevé pour faire un dégradé de couleur par la suite. Donc là, je n'hésite pas à rajouter de la couleur et à estomper par la même occasion. Je viens donc prendre un pinceau fluffy, je viens prendre la couleur White Peach qui est un beige très très lumineux. Il est vraiment, je l'adore celui-ci, pour le dessous de l'arcade, pour le coin interne de l'œil, pour donner quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il est vraiment d'enfer, j'aime beaucoup cette couleur. Donc là je viens le dessiner, le déposer pardon les filles, sous la carte sourcilière donc pour illuminer mon maquillage. Je viens donc prendre ensuite le 231 le Luxe Petit Craze de Zoeva et je viens prendre la couleur Candied Peach, qui est un corail avec des petites paillettes dorées. Il est vraiment très très joli celui-ci. Donc là ce que je vais faire, je vais humidifier mon pinceau pour donner beaucoup plus d'intensité à mon fard. Parce que je veux vraiment qu'on voit la différence entre le premier que l'on a déposé, le Just Peachy, et celui-ci. Et donc là pareil, je refais comme tout à l'heure. Je reviens donc dans mon creux de paupière. Par contre là cette fois-ci je ne monte pas la couleur, je reste vraiment dans mon creux de paupière. Et je viens donc simplement dessiner, vous voyez je dessine comme un trait au milieu de ma paupière qui part en biais. Je sais pas si vous allez bien réussir à comprendre. Parce que j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de donner un maquillage un petit peu différent de tout à l'heure. Donc là, j'ai réhumidifié mon fard pour donner voilà un corail vraiment très profond. Et là, vous voyez, je reste voilà dans le creux et je viens au niveau de la moitié de ma paupière et je pars en biais. Je viens ensuite prendre le 234 et je viens prendre la couleur Bellini qui est pareil, un corail pêche dorée, super jolie. Donc là, vous voyez, j'ai donc dessiné mon autre trait en diagonale, en fait, la fin de ma première couleur. Et je viens donc déposer cette couleur, le Bellini, qui est, vous voyez, hyper lumineux, j'adore. Donc en fait, ça vous donne sur la paupière deux couleurs, mais séparées par par quelque chose qui est en biais. Je sais pas comment m'expliquer, j'espère que vous avez compris, parce que c'est très compliqué à expliquer. Donc voilà, donc j'hésite pas à rajouter de la couleur et je reste vraiment sur le côté biais. Donc là, je reviens prendre le 232 et je reviens prendre la couleur Just Peachy pour donc dessiner mon racine donc du bas. Je vais ensuite reprendre la couleur Candied Peach pour donner un côté un petit peu dégradé à mon corail. Je viens ensuite prendre le 238 et je viens prendre cette magnifique couleur qui est le Peach Pit, qui est une espèce de marron prune un peu, je trouve, avec vraiment des irisés, enfin il est à tomber. Donc là pareil, j'humidifie mon pinceau et je viens donc le déposer en ras de cils, donc supérieur, et vous allez voir par la suite inférieur. Donc là je prends mon temps parce que j'ai vraiment quelque chose de très fin, de très près des cils. Donc voilà, je tiens ma paupière, parce que moi je ne peux pas faire autrement. Et donc je dépose mon Peach Pit comme ça en ras de cils. Je reviens donc humidifier mon pinceau, je reviens donc toujours par prendre cette couleur, le Peach Pit, avec un petit sourire, vous avez vu, hein, et je viens donc le déposer en racine, comme je vous disais tout à l'heure. Là, pareil, je prends mon temps pour bien rester en racine et bien laisser mon dégradé de couleur que l'on a fait tout à l'heure avec le corail.
Je reviens donc prendre la couleur Candied Peach que je reviens déposer sous l'espèce de marron, le Peach Pit de tout à l'heure, pour un côté un petit peu plus fondu. Donc là, on va s'attaquer au visage. Donc là, j'ai voulu prendre le Brow Drama de Maybelline, le mascara à sourcils. Alors, je vous avoue, les filles, que je préfère le L'Oréal, il est vachement mieux. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous l'utilisez soit tout seul, comme moi j'ai fait pour un côté plus naturel, un petit peu moins strict du regard, soit vous mettez votre fard marron et vous mettez ça par-dessus, pour donc fixer les poils. Moi perso, je préfère l'utiliser tout seul, voilà, pour un côté plus naturel, parce que je trouve que ça me durcit les traits, étant donné que je suis déjà brune avec des yeux noirs. Si en plus je trouve, voilà, que je me refonce les sourcils, ça va pas le faire. Donc je préfère le faire tout seul. Alors au niveau du mascara, les filles, on va d'abord déposer une base donc à mascara, c'est le Kiko. Alors vous voyez, ça fait une crème un petit peu crème justement, pas blanche. Alors là, il y a un petit peu de noir parce que c'est mon crayon noir que je mets d'habitude qui est resté un petit peu dessus. Donc c'est une base donc crème blanche que l'on dépose juste avant le mascara qui est censé vous donner un peu de volume, un peu de longueur. Moi je l'adore, j'aime beaucoup cette base de Kiko, je la trouve vraiment très bien. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment top. Donc là, je suis en train de gober les mouches. Et donc, je vais maintenant mettre mon mascara, l'effet push-up, donc volume glamour de bourgeois, qui est, j'aime beaucoup. Il a une brosse qui est assez moyenne. Et je trouve qu'avec le combo de Kiko, la base, ça vous donne des cils vraiment très fins, très allongés. J'aime vraiment le rendu de ce mascara. Donc en fait, avant de déposer mon mascara, je laisse sécher ma base. Et après, je viens déposer donc mes deux petites couches de mascara. Donc, vous voyez les filles, j'enroule bien mon cil. Regardez bien en fait le mouvement des mains, des doigts plutôt. Voilà, j'enroule vraiment bien mon cil. Je roule en fait ma brosse pour donner vraiment du volume, pour dessiner en fait tout simplement mes cils. Et vous voyez, je continue à gober les mouches. Tout va bien. Donc je prends toujours pareil mon chouchou, le Dream Lumi Touch, les filles, à force de vous en parler, je pense que je dois vous gaver, mais il est tellement bien, tellement illuminateur, tellement défatigant, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est ça en fait. Et donc je viens de déposer donc sur mes cernes en tapotant pour donner donc plus d'efficacité au produit. Donc je descends un petit peu sur le nez, voilà, j'hésite pas donc vraiment à étaler pour pas que ça fasse vraiment trop blanc au niveau des yeux. Donc là je dépose toujours pareil sur le menton pour en fait me donner une petite zone de lumière. Donc je vais en déposer également sur l'autre œil, sinon ça ferait un petit peu bizarre. Et après, je vais donc aussi également le déposer entre mes sourcils. Alors, je vous avoue, les filles, moi, je fais pas ça avec les pinceaux, les machins et tout. Je fais vraiment ça, voilà. Faut vraiment qu'on se maquille, mais que ce soit vite, bien fait. Pas besoin de prendre 15 000 pinceaux pour se faire le contour des sourcils, voilà. Non, moi, je fais ça avec les doigts et ça me va très bien. Et regardez-moi ça, les filles, j'illumine de lumière. On va maintenant donc mettre la base top coat de Kiko, la top coat en fait mascara. J'aime beaucoup ce produit, je vous en ai déjà parlé, c'est pas très cher, c'est super efficace, ça vous finit votre mascara. J'aime énormément en fait, c'est comme le vernis, hein, comme je vous ai dit l'autre fois, sauf que c'est un mascara. Donc une fois que ça a bien séché, je dépose simplement une petite couche de ce top coat là, pardon les filles. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je vous recommande vraiment d'y aller, les filles, chez Kiko, vous le prendre, de l'essayer quand il est en promo, parce qu'il est à 3,90€. Donc, c'est là qu'il faut essayer les produits. Je vais ensuite donc prendre ma terracotta de chez Guerlain. Ça fait une éternité que je l'ai, mais je l'aime toujours. Elle est toujours pas passée. Donc, moi, c'est la Sun Brunette, parce que c'est une couleur assez claire. Vous voyez, je suis toute contente de vous la montrer. Et en fait, je vais prendre un pinceau donc assez plat, mais qui part un petit peu en trapèze, parce que je trouve que c'est pas mal en fait pour déposer le blush. À la base, c'est fait pour déposer le fond de teint. Moi, je l'utilise pour simplement les joues. Et je me fais vite fait, vous voyez, un petit contouring. Alors, pourquoi j'ai pris une terracotta? Parce que comme je suis assez blanche, j'ai voulu donner quand même un petit côté bronzé. Voilà, comme j'avais du corail sur les yeux, je voulais pas rajouter encore du corail ou du pêche sur les joues. Donc, je suis restée sur un côté un petit peu marronné. Voilà, de ce que propose la terracotta, j'ai voulu voilà rester sur ce côté-là pour donner un petit côté un petit peu peps bronzé que je n'ai pas en temps habituel. Donc voilà, donc j'hésite pas à estomper, à rajouter.
Et maintenant, mon chouchou, les filles, le Marilou Minimizer de The Balm, je lui ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien de cette marque, j'adore, c'est un illuminateur d'enfer, je l'aime beaucoup, vous voyez, il commence déjà à se creuser, il va falloir que je m'en rachète un parce que voilà, je ne jure que par celui-ci, très illuminateur, très très beau, enfin je l'aime beaucoup. Là, pareil, je prends toujours un pinceau biseauté et je viens toujours pareil le déposer donc sur l'ossature de mes joues, je remonte. Je n'hésite pas donc à en rajouter sur l'arête de mon nez et sur l'arc de Cupidon pour donner un petit peu plus d'intensité et de profondeur aux lèvres. Là, ce que je vais faire, les filles, avant de déposer quelque chose sur ma muqueuse, je vais humidifier un coton-tige pour enlever en fait tout le noir du mascara que j'ai en ras de cils supérieur. Parce que sinon, je vais avoir un dépôt, un transfert, voilà, exactement sur la muqueuse du bas et je ne veux pas, comme je veux, voilà, mettre le Sumptuous Kajal de chez Kiko. Alors, je sais que je crois qu'ils n'ont plus en magasin, mais c'est simplement un crayon couleur chair, hein, pour mettre à l'intérieur, donc de la muqueuse. Et là, pareil, je prends un pinceau pour éviter toute trace de doigt, étant donné que j'ai déposé mon illuminateur, mon anti-cerne. Si je mets un doigt dessus, on va voir la trace. Donc, je prends un pinceau pour déposer ma couleur chair en muqueuse. Je viens donc prendre ensuite des chouchous, encore à Milani. Je sais, je vous saoule aussi avec ça, mais quand on aime, on compte pas. Donc là, j'ai pris la couleur Toscane Toast, qui est une espèce de marronné un petit peu rouge, mais plus dans les marrons. Voilà, je les aime, ça file pas, ça sent bon, ça sent la pastèque Made in USA à 6,50 € parce qu'ils ont un petit peu augmenté. Mais sinon, voilà, je les aime beaucoup, hydratants, pas desséchants, hyper pigmentés. Voilà, ça file pas, ça tient, bref, ils ont tout bon, ces rouges à lèvres là. Il va falloir que je vous fasse une vidéo là-dessus parce qu'à force de vous en parler, voilà. Mais c'est vraiment, j'adore ces rouges à lèvres, ils sont vraiment top. Donc voilà les filles, ce que ça peut donner une fois terminé. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait assez printanier, avec quand même des lèvres assez soutenues pour rehausser un petit peu ce petit teint un petit peu pâlot. Les filles, donc c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé donc mon maquillage. J'ai voulu un petit peu changer. Je vous ai fait donc un petit peu des modifs. Voilà les filles, je vous ai fait donc aussi une vidéo swatch sur la palette. Je vous laisserai donc le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et puis voilà, je crois que c'était tout. Je vous souhaite une très très bonne journée. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne les filles pour de nouvelles vidéos.